Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit moment coloriage. Et du coup aujourd'hui on va parler des coloriages terminés au mois d'août. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord j'ai colorié dans mon menuet de bonheur de Kanoko Egusa. C'est une illustratrice que j'adore. J'aime énormément ce qu'elle fait, elle a une patte vraiment super particulière. Et moi j'adore les animaux, donc forcément c'est un livre qui me plaît. Et du coup j'ai colorié celui-ci, donc vraiment de saison hein, pour le coup, avec les petites gourmandises, les glaces, etc. Je le trouve super frais, j'aime beaucoup. Vous avez sur ma chaîne notamment ce biscuit que j'ai colorié avec vous pendant que je répondais à un tag. Donc je vous mettrai en haut dans le petit i. Et puis du coup je l'ai réalisé, donc j'ai fait une base en fait sur certains éléments au Prismalo, donc des crayons aquarellables ainsi qu'au Intense. Du coup j'ai colorié avec les Black Widow ainsi que les Polychromos et j'ai mis des petites touches de Posca blanc notamment dans les poils des souris et puis sur mes petites oranges aussi. Et pour le fond c'est du Neocolor 2, voilà je les lâche plus, je les adore donc voilà. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près ce coloriage. Donc là vous avez les biscuits, les petites myrtilles, une fraise, une petite rondelle de banane. Ici une petite souris avec de l'orange derrière elle. Hop, une autre souris, du flan. Bon et après il y avait des éléments, c'était un peu dur de savoir ce que c'était. Par exemple ça là, je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait une petite fraise. Pareil, il y a d'autres trucs, j'étais pas vraiment sûre, donc j'ai fait un petit peu ça notamment, pareil, je sais pas si c'était une myrtille ou pas. Ça semble un peu grosse par rapport aux autres, mais comme je savais pas, je me suis dit bon vas-y, je fais la même couleur, c'est pas grave. De toute façon, on interprète un peu comme on veut dans le coloriage. Mais c'est vrai qu'il y a des illustrateurs comme ça, notamment Kanoko Egusa ou du Kirby Rosan, donc parfois c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on a en face des yeux en fait. Donc après, c'est à nous d'interpréter. Et j'ai fait un petit effet de transparence pour les glaces, parce que bon, je me disais, une coupe en verre comme ça, c'est pas censé normalement être complètement opaque. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de jaune et de rose. C'est assez léger, mais j'aime plutôt bien. Et donc, je me suis vraiment éclatée sur ce coloriage, j'ai adoré le faire. J'adore de toute façon colorier des petits animaux, j'aime beaucoup colorier de la nourriture aussi, donc franchement, je me suis vraiment éclatée sur celui-ci. Et il me fait beaucoup penser au premier coloriage que j'avais fait dans ce livre-ci, qui était donc cette page-ci, où pareil, j'avais adoré faire de la nourriture, et franchement, je m'éclate dans ce livre, donc j'ai déjà super hâte d'y retourner. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Nice Little Town Christmas 2 de Tatiana Boguema, donc il s'agit de celui-ci. C'est un coloriage que j'ai fait en hommage à la maman de Julie Noeva. Si tu passes par ici, je te fais des gros bisous, puisque voilà, les Nice Little Town, c'était les livres préférés de la maman de Julie, donc on a fait ça ensemble, en commun. Et du coup, moi j'ai choisi celui-ci. En fait, on a eu un mois d'août assez pourri, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et du coup, j'étais très inspirée par le thème de Noël. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc, très douillé, au coin de la cheminée, un petit thé, une petite bassine bien chaude pour les pieds. Enfin voilà, tout ce qui fait rêver un peu en ce moment, à défaut d'avoir du soleil. Du coup je l'ai fait celui-ci, j'ai fait une base pareil donc au Prismalo et au Intense. J'adore faire des bases, hein. Franchement je trouve ça super sympa. Et je suis venue donc ombrer et colorier par-dessus au crayon Arteza. Donc pareil, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc j'ai essayé de faire un peu des reflets par rapport à la cheminée qu'il y avait là. Donc j'ai fait des reflets sur les chaussures, la bouilloire, la coccinelle, etc. Enfin j'en ai fait un petit peu où je pensais... qu'il y en avait, bon les champignons c'était peut-être pas nécessaire par contre, mais les petits chaussons, petite couverture, je vous mets de côté pardon parce que j'ai mon trépied qui est juste là donc sinon ça va taper, les petites lumières, du coup j'ai rajouté un peu de Posca aussi ici hein, pour détourer mes petites loupiottes, et puis j'ai fait un petit effet nuit, neige par ici, j'ai rajouté du crayon blanc et puis j'ai fait des petits flocons. Et puis voilà, bon c'est un coloriage tout simple, il m'aura pris quand même un peu de temps parce que je me suis assez appliquée quand même sur chacun des éléments. Puis il y a beaucoup d'éléments, c'est assez fouillis, donc j'ai un peu galéré à trouver mes couleurs pour pas trop m'éparpiller. Donc il m'a pris quand même un peu de temps, mais en tout cas c'est un coloriage que j'ai beaucoup aimé faire et je me suis beaucoup amusée.
Et enfin, je suis allée dans mon livre allemand, Meine bunte Tierwelt. Vous le savez peut-être, c'est un livre que j'aime beaucoup pour faire des tests et essayer du coup des nouvelles choses, du nouveau matériel. Et du coup, là, je suis dans le volume 2 et j'ai fait un petit coloriage tout simple. Voilà, il s'agit de celui-ci avec la girafe. Et donc sur celui-ci, j'avais envie de tester en fait mes encres en pad Artemio que j'avais reçues il y a déjà quelques mois de ça. Et bah, j'avais toujours pas pris le temps de les essayer. Donc du coup, bah, là, ça y est, je les ai sortis. J'ai des petits pinceaux brosses. Et puis bah, du coup, avec les petits pinceaux, on prélève de l'encre dans le tampon encreur. Et puis on applique tout doucement sur le papier. Donc c'est vraiment une technique super sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est super détente. Et bah faut juste faire attention et y aller vraiment, enfin prendre son temps parce que c'est vrai que si on prélève trop de matière après ça fait des taches. J'avais fait des petits tests avant et heureusement parce que sinon j'aurais pas eu le même résultat, je peux vous le dire. Et bah du coup j'ai adoré cette technique, franchement je pense que je ferai d'autres fonds avec. Et du coup bah je m'étais pas embêtée en fait sur ce coloriage, j'avais pas mis de protection, de drawing gum ou quoi sur ma girafe, j'ai tout fait en fait le fond, je suis passée par-dessus ma girafe, puisque je savais que je voulais ensuite repasser par-dessus. Donc la girafe je l'ai repassée au Posca noir et pour le bas c'est tout simplement de la peinture acrylique noire. Et bah franchement j'ai adoré le faire, il était vraiment tout simple, super rapide, franchement super chouette et j'aime beaucoup le résultat. Donc je vous montre de plus près, donc bah, le sol, je sais pas si vous verrez, mais ça fait des traces en fait avec la peinture acrylique. Pareil, le Posca, il fait des traces aussi, mais bon, c'est pas... On voit encore les traits en dessous aussi, mais bon, c'est pas bien grave, hein, franchement, de loin, ça se voit pas du tout. Et puis bah après, les fondus, franchement, ils sont super... Vous voyez, on passe du jaune au orange, au rose, enfin super, super facilement en fait, il n'y a aucune démarcation ou quoi que ce soit, enfin franchement... C'est une technique que j'aime beaucoup et que je pense reproduire assez rapidement. Et donc voilà, une fois n'est pas coutume, cette vidéo est déjà terminée. J'ai fait peu de coloriage ce mois-ci. Le mois de septembre, il va être encore pire puisque je ne serai pas là pendant 2 semaines. Donc je ne sais pas encore si vous auriez de vidéos coloriage terminées début octobre. Mais vous aurez quand même des vidéos qui arrivent, ne vous en faites pas. Je vais vous laisser ici du coup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Enfin, ça me fait toujours super plaisir et puis ça m'encourage. Donc vraiment merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et bah du coup, je vous laisse ici, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous.